Yo les gars, c'est Sustuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, comme tu l'as vu au titre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo invocation sur le compte d'un abonné. Il m'a envoyé un petit message sur Twitter, il m'a dit est-ce que tu veux bien invoquer sur mon compte et tout. En ce moment j'ai vu que t'avais de la chatte. Je lui ai dit bah écoute, si tu prends le risque, allons-y. Je vais essayer de te choper du sale mon ami Rimka, on verra bien ce que je te dropperai. Donc voilà, on va tenter de dropper du Jiden et du Goku. Pour Rimka, on va voir si on va avoir autant de chance que sur les comptes sur lesquels j'invoque et même globalement sur le mien. Pour l'instant, en ce moment, en tout cas, ça, la chance est plutôt de mon côté. Jusqu'à quand elle va être là, eh bien, on va voir. Peut-être qu'aujourd'hui, elle partira. Peut-être qu'elle va rester. En tout cas, pour qu'elle reste, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau pouce bleu de l'histoire de l'humanité. Objectif 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Moi, vocation, je compte sur vous, les amis. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça permet d'augmenter toutes les statistiques de la chaîne YouTube. Hein, et ça, c'est e-sport. Pense aussi à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à activer la cloche pour ne pas louper les notifications. Et puis, voilà, on est parti, les amis, pour l'invocation de Jiden et de Goku. Migate no Gokui. Allez, let's go. Comme tu peux le voir, il y aurait ces étapes à faire. Hein. C'est parti. Allez. On va pas trop présenter les persos, on va pas trop présenter le portail. Je pense que tu l'as suffisamment vu. C'est SSR garanti, évidemment, aussi. Donc, on n'est pas surpris de voir le Shenron se pointer, puisqu'on sait qu'on va avoir un SSR dans tous les cas. La question, c'est quel SSR va-t-on dropper, les amis? Et ça. Seul l'avenir va nous le dire. En tout cas, pour l'instant, du pump boom boom voilà, hein, Videl. Videl, Videl. Et on commence direct par Jiren. Première multi-invocation, la multi à 40, c'est Jiren qui tombe directement. Ben, je crois que la chatte est toujours là, les amis. C'est grâce à votre soutien dans l'espace de pouces bleus et dans les commentaires. Parce que là... C'est la chatte intergalactique, première multi-invocation, Jiren qui tombe. Or ça, ça c'est e-sport. Ça c'est e-sport, je te le cache pas. Il faut maintenant dropper Goku. Est-ce qu'on peut le dropper dans la même multi? Ah, le Kamehameha avec Goku de Gohan, why not? Ouais. On a quand même eu 1, 2, 3, 3 SSR, dont Jiren, première multi. Bon bah, voilà. C'est e-sport ça, hein. Ça c'est e-sport. Si tu veux que j'invoque et que je te prête un peu de ma luck, n'hésite pas à me contacter via Twitter, mon ami, ou via Twitter, en fait. Je m'envoie un tweet et je viendrai en MP, on invoquera peut-être en live ou sur une vidéo, ça dépend sur quel portail ça sera, etc. Allez, on va voir si on continue sur ce rythme effréné avec, pourquoi pas, le drop de Goku Migate. Juste après, ça serait un peu trop insolent, je pense, quand même. Mais bon, on sait jamais. Allez, Mageta. Dodoria-san. Et c'est 18. Ici 18. Non, c'est 18, c'est pas ce qu'on veut. Et Gohan, Kamehameha familial, machin, non plus. Mais ceci dit, on va encore avoir un SSR, puisque le tout dernier sera le SSR garanti. Donc on est déjà à 2 SSR. Ça drop beaucoup quand même. Hein. Et Kale. Putain, mais what the fuck, le taux de drop, les gars. Kale très très forte hein, dans la team... Survie de l'univers, survie de l'univers sur la Jap, hein, franchement, elle tape très 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 fort. Donc mettez-lui des doublons, go la booster dans l'arbre. Bélus. Mais c'est quoi cette multi-invocation, les gars? On en avait combien là? 1, 2, 3, 4, 4 SSR dans la multi. What is the fuck? J'ai envie de te dire. Bon, pas les SSR dont on voulait, mais Kale en doublon, c'est vraiment pas dégueulasse, vous verrez plus tard. Elle vous sera très utile dans la team Arc Survie de l'univers si vous voulez la jouer. Elle sera très forte. Elle envoie des grosses patates de forain. Allez, on enchaîne pour voir si on a l'ami Goku Migate qui pop. Peut-être, on verra bien. On a eu Jiren en une multi. Peut-on dropper du Goku Migate, ça? Ça, on va le voir. Pour l'instant, c'est du Chaozu. Le Chaozu, c'est pas vraiment le Goku Migate, les gars. Hein. Je vais pas vous le cacher, mais putain, merde. Je suis en train de rejoindre en même temps sur ma tablette le farm sur Captain Tsubasa. Eh oui. Et oui, le farm ne s'arrête jamais, les amis. On farm tout le temps, non-stop, H24. 7 jours sur 7. Allez. Migate. Ça, c'est Bojack. Ça, c'est Bijita GT. Hein. Bijita, quoi. Cell. Allez, est-ce que tel un hibou pourrait arriver le Goku Migate? Quelques multi après le Jiren. Non, mais il est pas dégueu, lui. Il y a son Rebirth qui arrive soon ou qui est déjà arrivé sur la glow, je sais plus. Il est pas dégueu. Bon,
Après, c'est pas non plus... mais c'est pas dégueu. Allez, la multi-gratuite. Qui, du coup, nous garantit un SSR, hein, vu que c'est SSR garanti sur le portail, les amis. Donc, peut-être va-t-on réussir à récupérer le Goku Migaté sur la multi-gratuite. Ça, ça serait vraiment très beau. Allez. Ah, Zarbon. Très bien. On commence par Zarbon. Suivi du Goku qui est sorti le jour Day One de Dokkan Battle, hein, ce Goku qu'on connaît tous, d'un Vegeta Blue qui ne sert pas à grand chose, le puissance, même s'il a eu un petit buff. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, les amis. Ah bon, c'est 17. Très bien. Très, très bien. Docteur Gero. Tenshin Han, fais gaffe où tu mets tes doigts, mon cher Tenshin Han. Piccolo-san, le MVP, le Dragon Ball Legends. Thales. Raditz. Thales. Raditz. L'ami Raditz. Ok, bon. Autant te dire que le Raditz puissance, c'est pas vraiment ce qu'on recherchait hein, en termes de SSR. Je vais pas te le cacher. Allez. Le Goku se fait attendre. Je crois que... Je sais pas s'il l'a d'ailleurs. Je suis pas allé vérifier. Ce qui est sûr, c'est que Jiren, il l'avait pas. Allez. C'est maintenant Goku. Bukolo. Qui se rappelle de l'époque où Bukolo était MVP de la team Intelligence avec Boutinks. Et oui, on jouait Bukolo, pardon, Boutinks, Buhan. Dans cette team, on jouait même des stunners, hein, comment il s'appelait l'autre, le mec de Dragon Ball, là, qui stun, que t'as dans le portail du TB. Ça date tout ça, ça date, hein, mais on s'en souvient de cette époque-là. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont après Raditz, on a Thales qui devient très très intéressant avec la sortie de nouveau Thales. Les deux ensemble sont cool. Moi je préfère ne pas jouer quand même parce que j'estime ne pas en avoir besoin. Le Vegeta SSJ 3 puissance technique pardon. Alors, contrairement ça pue la merde. Eh oui le Migaté Sugokui qui vient d'arriver. Migaté no Susukri. Qui vient d'arriver, qui vient de pop sur la multi-invocation. Et ça, c'est e-sport. Oh, le doublon! Mais non! Mais c'est pas possible! Vous allez encore me détester, c'est terrible! Comment est-ce possible? Quelle est cette multi incroyable? Deux Migaté dans la même multi. Ah, celle-là, je prends un screen, les gars. Lol! Je crois que Rinka, tu ne vas pas regretter de m'avoir laissé invoquer sur ton compte, mon ami, puisqu'on t'a tout droppé, hein, littéralement, et en plus, dans une même multi, on te drop deux Migaté. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment e-sport. On va s'arrêter à 500 DS, on va essayer de lui dropper un doublon Jiren, et puis on s'arrêtera là. Mais ça drop de ouf, hein, 2, 3, 4, 5 SSR, dont deux Goku Migaté. Incroyable. Incroyable, incroyable. Allez. On s'arrête, on fait encore deux multi, et puis on se stoppe ici. Tentons de lui dropper le doublon Jiren, et là, ça serait, comme on dit chez nous, vraiment perfect. Hein. Mais alors, perfect. Allez, SSJ1. SSJ2. SSJ3. Oui. Allez, un doublon Jiren. Un chauve le gris. Pan. Qui est dans Dragon Ball Legends, d'ailleurs. Pourquoi ils l'ont mis en premier, je sais pas. Ah, Kale. On l'aime, la Kale. On l'aime. Mais, comme je vous ai dit, montez-la, hein. Montez-la parce que elle vous sera très utile. Et c'est une blague. Et c'est encore un Thales Agilité. Ok, bon, encore un Thales Agilité. Pourquoi pas? C'est pas fini. On peut à tout moment dropper un chauve gris qui ressemblerait à Jiren. Ah, ça, c'est beau, Tamo. C'est pas vraiment Jiren. Yajirobe. Et Paekwan. Technique. Alors là, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu dropper. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, mais bon, on va pas se plaindre avec ce qu'on a eu. Je pense qu'on peut se permettre de ne plus trop invoquer de gros personnages. Allez, dernière multi-invocation, les gars. On l'a fait ensemble, peut-être celle-là, on l'a fait ensemble. Je te laisse le temps, si t'as pas appuyé comme moi, d'appuyer sur la multi-invocation, de te préparer à faire le glissement et à me dire dans l'espace commentaire ce que t'as droppé dans la multi qu'on aura fait ensemble. Je te souhaite d'avoir une bonne multi, évidemment, si tu as de quoi encore invoquer. Allez, 3, 2, 1, t'es prêt? On relâche. Allez, bonne chance aux gens qui font la multi avec moi. Inchalux, vous droppez du Lux.
D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à tous les frérots musulmans de France et de Navarre, et de partout dans le monde d'ailleurs. Bon ramadan à vous, courage les amis. Allez, c'est 19. Oui. Allez, Jiren. C'est un chauve, mais c'est pas Jiren, les amis. C'est un semi-chauve. C'est un chauve. C'est un signe, les gars. Il y a que des chauves pour l'instant. Ça... Ah, lui, il est un peu plus chevelu. Ça veut dire qu'on va dropper Jiren. Lui, il est chauve aussi, concrètement. Et lui, il est plus chauve. Allez, Jiren. Le Gohan du futur qui va arriver en Dokkan Fest la semaine prochaine, certainement, ou dans 15 jours, sur Dokkan Battle Jap, les amis. Leader arc du futur. Donc c'était peut-être un signe pour me dire que je vais le dropper plus tard, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, on va s'arrêter ici, on va lui conserver ses Dragon Stone qui lui reste, puisque on a quand même droppé du sale. Hein, juste si je vais voir s'il a le Goku Migaté. Il a déjà le Goku Migaté, voilà, il l'a. Et il a pas de doublon, donc là il vient de prendre deux doublons, donc il vient de prendre un boost du Turfus, son Migaté. Donc très très bien. Bon bah du coup les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'invocation. Je pense que Rinka lui l'a apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à bombarder la barre de pouces bleus, de t'abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux, d'activer la cloche et pour mettre les notifications, mes chers compatriotes. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore sur quoi. Chaque jour, une nouvelle vidéo pour votre plus grand bonheur, je l'espère. Ou le plus grand désarroi pour ceux qui ne m'aiment pas. Et donc du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ou un live. Biscuits love peace. Ciao.